tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous pour notre dernière émission de la semaine. Aujourd'hui, notre thème du jour est comment être sûr que je vais épouser la bonne personne. Et aujourd'hui, c'est Frank qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, nous regarderons l'histoire du pasteur David et Sylvie Terry qui nous raconteront l'histoire de leur rencontre dans la rubrique C'est mon histoire. Voilà, vous connaissez le programme, je vais rejoindre les chroniqueurs. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour Lynn. Comment allez-vous en ce merveilleux vendredi? Très bien. C'est vendredi. Super. Donc Aurélie, sors ton cahier, prends des notes, exactement. Ce thème est pour toi. J'ai tout prévu, c'est enregistré. Effectivement, c'est enregistré, ne prends pas de notes. Donc vous l'aurez compris, on va parler rencontres, on va parler comment discerner ce qui est bon pour nous, ce qui ne l'est pas. Comment savoir si on est avec la bonne personne, pour ceux qui ne sont pas encore en couple, comment faire justement pour ne pas se tromper lorsqu'on va rencontrer une personne ou une autre. Il y a tout un tas de choses qu'on va vous apprendre aujourd'hui. On n'est pas des experts, mais bon, on est quand même déjà mariés pour la plupart, sauf toi Aurélie, désolée. Ah oui, on l'aurait dit en oui. Ça sent bien, alléluia. Amen. Tu pourras quand même nous partager comment tu te prépares à rencontrer la bonne personne. Pas de souci. Donc on va commencer tout de suite avec la pensée du jour. Donc Frank, comment être sûr qu'on va épouser la bonne très personne? Grande question, Evelyne, pour moi. Mais on va regarder ensemble la parole de Dieu, puis qu'est-ce qu'elle dit. Oui. Parce qu'on se base ici à Bonjour chez vous sur la parole de Dieu. C'est mieux. C'est vrai? Oui. Oui, c'est vrai. On va commencer par des bases, parce qu'il y a même encore des gens qui peuvent écrire en 5 mois ici, des courriels à EMC, TV, tout ça. Et ils se posent des questions, parfois même qu'on pourrait, pour certains d'entre nous, catégoriser de plus des questions de base. C'est-à-dire, si ça fait un certain nombre d'années que vous êtes dans l'Église, vous êtes on pourrait croire que vous connaissez ces choses-là par cœur. Mais on va commencer ensemble dans 2 Corinthiens, chapitre 6, puis le verset 14. La parole nous dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? » Donc, le premier point qu'on va regarder aujourd'hui, c'est ce point. Ne pas se mettre sous un joug étranger. Et puis, il y a des personnes qui peuvent peut-être se poser des questions. Et je sais que parfois, ce n'est pas évident. J'ai vu des situations aussi de des personnes, des fois, sont dans des plus petites villes ou villages. Il n'y a pas beaucoup de chrétiennes. Et de nouveau, la fille ou la femme voudrait se marier, mais c'est ça, il n'y a pas de garçon célibataire dans son église. Puis, la pensée peut venir, ben lui, il est bien, il n'est pas sauvé, il est dans le monde encore, mais il est vraiment gentil quand même. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Mais la parole, elle nous dit, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Puis là, le but, c'est pas de dire la parole dit et puis après ça, de t'avoir un joug sous les épaules. Le but, c'est de vous expliquer pourquoi la parole dit ça. Puis en fait, ben, il va y avoir plusieurs circonstances qui peuvent survenir pendant un mariage, justement. Et puis, si une personne est sauvée et l'autre ne l'est pas, ça peut apporter beaucoup de complications. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est des expériences. Beaucoup de personnes ont passé par là. Beaucoup de personnes ont vécu une vie plus malheureuse à cause de ça. Puis, ben, c'est ça. Il peut y avoir, parce que quand tu es sauvé, tu marches avec le Seigneur, tu veux le servir, ben, tu vas vouloir servir dans l'Église. Ça va prendre de ton temps. Il va vraiment de base naturelle. Ça va prendre de ton temps de servir à l'Église. Donc, la personne, si elle ne comprend pas Dieu, elle n'a pas Dieu dans sa vie, elle va dire, mais tu es tout le temps à l'Église. Tu es toujours là, tous les soirs, mercredi soir, les vendredis soirs et les dimanches matin, tu es là. Moi, on est là ici, on a des enfants et puis toi, tu veux servir. Ben là, tu vois, il y a une incompréhension qui va être là parce que lui ne connaît pas Dieu. Toi, tu le connais, tu veux le servir, tu veux l'aimer, ainsi de suite. L'éducation des enfants. Toi, tu vas vouloir que les enfants viennent à l'église. Peut-être que lui, au début, ça va aller, ou elle, ça va aller, mais par la suite, ben, il va y avoir peut-être des barrières qui vont se lever. Non, je ne veux plus que les enfants aillent à l'église maintenant. Et puis là, toi, qu'est-ce que ça va faire? Ça va te causer beaucoup de peine. Ça va créer ben, des possibles dégâts dans la vie des enfants parce qu'ils n'auront pas été instruits dans les voies de Dieu, comme la parole nous dit. Puis peut-être que tu vas aussi vouloir supporter l'œuvre de Dieu. Tu vas vouloir faire des semences, donner tes dîmes, tes offrandes. Et puis l'autre personne, bien évidemment, ne va pas comprendre tout ce principe-là de la semence, de supporter l'œuvre. Et puis ça va apporter beaucoup de complications. Donc parfois, même si la personne est très gentille, l'homme ou la femme sont très fins, très remplis d'amour,
mais ça va apporter des complications par la suite. Et la parole de Dieu est toujours là pour nous éviter des problèmes. Comme j'ai dit, ce n'est pas pour condamner, c'est juste pour apporter à la lumière des choses qui sont parfois peut-être de base, mais pour vous, vous êtes dans des situations où ce n'est pas difficile, mais on veut vraiment pouvoir éclaircir certains points. Le deuxième point, le commun accord. Amos 3:3. La parole nous dit, deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord, tout simplement. Et puis dans la vie, il va falloir que vous soyez d'accord avec votre futur mari ou épouse sur certains points et des choses qui sont naturelles. Là, on va regarder certains points naturels, puis après ça, plus d'un côté spirituel aussi, parce que les deux côtés. Première des choses, je peux vous poser des questions, vous pouvez les noter, puis après ça, juste vraiment répondre honnêtement. Là, c'est très naturel, mais est-ce que vous trouvez la personne belle ou beau? Là, si la personne est née de nouveau, vous êtes fiancé ou vous t'as un petit quelque chose pour la personne, est-ce que vous vous trouvez beau? Est-ce qu'il te plaît? Parce que être marié avec quelqu'un, tu vas l'avoir à tous les jours. Donc, c'est important de le trouver agréable à tes yeux, ou le garçon ou la fille. Y a-t-il vraiment de l'amour? Y a-t-il quelque chose qui, c'est ça qui est à l'intérieur de toi, ça brûle, tu vois tout le temps cette personne-là, tu y penses constamment. Pour moi, c'était ça, en tout cas. Quand j'étais fiancé, je pensais constamment, j'étais au travail, je pensais à elle, j'avais hâte d'aller la rejoindre. Il y avait vraiment de l'amour qui était là. J'avais jamais connu ça pour une autre femme, moi, avant. Et puis, j'ai pu dire, waouh, ça, c'est vraiment de l'amour, parce que j'aurais pu avoir d'autres opportunités. Mais l'amour était vraiment là. Où te vois-tu habiter? Où est-ce que vous voudriez habiter? Est-ce que lui, il veut habiter, peut-être, je ne sais pas, il veut rester au pays si vous êtes en Afrique, ou vous êtes en France, mais lui, il sent un appel pour la Suisse. Est-ce que tu es prêt à déménager avec lui? C'est des questions qui sont là dans le naturel, mais qu'il faut se poser. Quels sont les buts dans la vie, le travail? Est-ce que vous voulez avoir une maison? C'est quoi les attentes par rapport à l'argent? Il y a des choses comme ça qui doivent être discutées à un certain niveau pour voir si on a vraiment les mêmes objectifs. C'est très, très important par rapport à ça. Combien d'enfants est-ce que tu voudrais avoir? Si lui, il veut avoir une armée de 10 et puis toi, tu n'en veux que un, là, waouh, il y a quelque chose là à discuter. Hein? Amen, Evelyne? Et puis là, d'un point de vue plus spirituel, on peut se demander des questions parce qu'il y en a qui peuvent être, qui vont dire, il est sauvé, vraiment, je crois qu'il est sauvé, mais il va dans une église qui est plus fermée au Saint-Esprit. À quelle église est-ce que vous voulez aller? Il faut se mettre d'accord là-dessus parce que c'est hyper important d'avoir la même vision spirituelle. C'est la base de toute chose. On a vu des points naturels, mais là, ça, c'est encore plus important. Quelle église est-ce que tu voudrais aller? L'appel de Dieu sur la vie de la personne, est-ce qu'il y a un appel? Est-ce que pour toi, ça te rejoint? Est-ce que lui, s'il sent un appel ou elle, c'est un appel à être missionnaire? Est-ce que toi, tu es prêt à déménager à l'autre bout du monde pour servir Dieu? Sinon, il y a des choses qui sont là, des questions à se poser. Et puis, comment est-ce que vous voulez servir dans l'église locale? Ça, c'est la même chose. Où est-ce que tu te vois servir? À quel point est-ce que tu veux t'impliquer peut-être par rapport à... On se voit avec plusieurs enfants, mais ça va être quoi toutes ces choses-là? Donc, il y a vraiment un aspect plus spirituel qui est à se poser. Et puis, dernier point, la direction du Saint-Esprit et non celle des signes, Romains 8:14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Et puis, vous savez tous l'exemple, et on le redit, parfois on a l'impression de se répéter, vous avez peut-être vu d'autres émissions sur les fiançailles, le couple, le mariage et tout ça, mais c'est parce qu'il y a encore beaucoup de questionnements et il semble que c'est toujours pas clair pour plusieurs personnes. L'important, c'est de mettre la parole en pratique. Ça revient toujours à ça. Les points qu'on a vus là, si les gens s'assoient et puis ils vont vraiment regarder ensemble, il va y avoir des vraies réponses qui peuvent complètement changer la direction de certaines choses. C'est de mettre en pratique ce qui est dit. Ça semble simple, c'est pas long, mais il faut le mettre en pratique. Et puis, être conduit par le Saint-Esprit, c'est ça l'important. Gédéon, vous connaissez l'histoire, il avait mis ses fameuses toisons devant Dieu. Mais là, je vous rappelle, c'était l'Ancienne Alliance et aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit en nous. Il y a beaucoup d'enseignements sur la direction divine du Saint-Esprit en nous. Je ne veux pas m'étaler sur ce point, mais c'est extrêmement important. Est-ce que la paix est là? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est là à l'intérieur, qui c'est comme ça grinche, c'est pas correct? Il y a un malaise qui est là constamment. C'est d'écouter le Saint-Esprit en vous, parce qu'en fait, c'est Dieu en vous. Il veut vous diriger en toutes choses, dans toute la vérité et dans toutes les circonstances. Donc, soyez sensibles au Saint-Esprit et non pas aux signes, parce que beaucoup de gens se sont fait tromper par les signes. Ils se sont retrouvés dans des situations très désagréables. Puis, ça fait beaucoup de dégâts et ça peut pas dire forcément gâcher des destinées, mais ça peut faire que tu prends des énormes détours au lieu d'aller droit au but. Donc, voilà, Evelyne. Merci pour la pensée du jour. Quelle pensée pratico-pratique. Oh, wow. Tu as abordé plein de points, c'est super complet. Et toutes ces questions-là
réécouter si vous n'avez pas eu le temps de tout noter pour vous poser ces questions, parce que c'est des vraies questions à se poser. Je ne sais pas, toi, Pasteur Joël, quand tu rencontres des jeunes fiancés qui te disent « Voilà, on s'aime, on veut se marier, etc. Qu'est-ce que tu leur dis ?» Impossible. Pas de mariage à l'église de la Annulé. Victoire. Non, mais en fait, comme je t'écoutais, Frank, c'était super en passant. Je me souviens une fois, j'ai eu un couple dans mon bureau pour des cours de préparation au mariage et j'ai refusé de marier ce couple parce que je voyais que ce couple n'était pas compatible. Mmh. Et je crois, tout ce que tu as dit, c'est merveilleux. Et je rajouterais, vous devriez suivre des cours de préparation au mariage si vous envisagez de vous marier parce que vous avez des autorités spirituelles et des gens de l'extérieur qui peuvent évaluer des choses aussi, dire... Écoutez, toi, tu veux 10 enfants, zéro, il n'y a pas de problème. Il y a des choses. Et des fois, on est tellement en amour, on ne voit pas clair, des fois. Oui, c'est vrai. Donc, mais je trouve ça super et je me suis plus ta question. Ben, tu as à peu près répondu. Tu leur poses des questions du même genre. La question, c'était qu'est-ce que tu leur dis quand ils viennent te voir et qu'ils veulent se marier? Je fais des cours de préparation au mariage. C'est ça, tu fais des cours. Et dans le premier cours, toujours, obligatoirement, même si les gens sont à l'église depuis des années, je fais un cours sur le salut, pour être certain que les deux sont dans le Seigneur, en revenant à ton premier point. Parce qu'il y a des gens qui sont à l'église, on s'imagine, ah, ils sont sauvés. Pas forcément. Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui sont juste là par religion. Ouais. Je viendrai suivre le cours. J'aimerais qu'on regarde notre citation de la semaine, parce que je la trouve vraiment géniale. C'est Miles Monroe, hein, l'évangéliste Miles Monroe, qu'on connaît tous très, très bien. « Tu es véritablement prêt à te marier le jour où tu n'as plus besoin de quelqu'un pour te rendre heureux, te satisfaire, te compléter ou te donner de la valeur. » Moi, je la trouve géniale, cette citation, parce que c'est vrai que les gens se marient souvent parce qu'ils ont besoin d'amour, ils ont besoin de recevoir, mais le mariage, c'est donner, c'est pas recevoir. C'est vrai. Et franchement, c'est un bon point. Notez ça aussi à la maison, parce que tu n'as pas besoin, lorsque tu n'as plus besoin de quelqu'un pour te rendre heureux, te satisfaire, te compléter ou te donner de la valeur. Même si le mariage va nous donner toutes ces choses, ça va nous donner toutes ces choses. Bien sûr, mais oui. Mais si on arrive, alors je dis pas que c'est toujours le cas parce que c'est le top du top, si on arrive à se marier dans cet état-là, mais quand même, si on arrive à se marier en réalisant que on se marie dans le but de donner et non de recevoir. Et puis, on va enchaîner avec une vidéo que j'aimerais qu'on regarde. Après, on pourra en discuter. Une super vidéo de « Je ne vais pas abîmer son nom ». Tu veux le dire, Frank? Tu te souviens? Mark Gungor, c'est ça? Gungor? Mark Gungor. Ça dépend en anglais. C'est quoi? Mark? Mark. Ouais, Mark Gungor. Ouais. Voilà, c'est ça, tout à fait. Qui est pasteur senior de l'église Celebration Church au Wisconsin et auteur de nombreux livres sur le mariage et les couples. On va regarder la vidéo tout de suite. Souvent, les gens me demandent quels conseils je peux donner à ceux qui cherchent une personne à épouser et avec qui faire leur vie. Je leur dis toujours, cherchez une personne de caractère. Regardez qui sont vraiment les gens. La vie est difficile, il y a beaucoup de défis et de difficultés. Tu veux quelqu'un avec qui tu puisses faire face aux situations de la vie. Ne te fais pas avoir parce qu'ils sont mignons, d'accord? Le caractère te durera toute une vie. Sexy a une courte durée de vie. Si tu ne me crois pas, regarde tes parents. Tout ça est temporaire. Ils étaient aussi mignons que toi à une époque. Ne sois pas trop captivé par ça. Trouve une personne de caractère. Une personne avec laquelle tu sais que tu pourras affronter les luttes de la vie. Quand vous sortez ensemble, regarde comment cette personne agit. Et plus important encore, regarde comment elle réagit. En réalité, tout le monde peut poser des actes. On appelle ça des acteurs. Quand les choses vont mal autour d'eux, regarde comment ils réagissent. Si tu es en couple avec quelqu'un qui réagit très mal quand les choses ne se passent pas bien, n'ignore pas cela. Beaucoup de gens disent « Mais non, pasteur, en temps normal, ce n'est pas comme ça qu'il réagit. Hello !» Écoute-moi, un conseil. Tu sors avec les actions, mais tu te maries avec les réactions. Recherche une personne qui soit fiable, qui réagisse de la bonne manière, selon la Bible. Recherche une personne de caractère. C'est génial, hein? Les bonnes paroles. Ouais, ouais. Anne, qu'est-ce que t'en penses? Ben, c'est sûr que quand on est jeune et qu'on est ébloui par un potentiel amoureux ou une potentielle amoureuse, on va avoir tendance à diminuer les aspects négatifs ou en tout cas les réactions qui sont incompatibles avec les nôtres. Mais on est marié pour la vie et il ne faut pas croire qu'on va pouvoir changer la personne. Je vois, plusieurs font l'erreur de croire qu'on va réussir à le changer ou à la changer. Non. Il faut que tu puisses le prendre dans l'état où il est, où elle est.
S'il change, si elle change, tant mieux. Mm-hmm. Mais si c'est ton objectif en disant « il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, mais je vais le changer mm-hmm. », c'est une grave erreur. Parce que la vie de couple, c'est lent. Mm-hmm. Alors, il vaut mieux être… C'est sûr qu'on n'est pas parfait, il ne sera pas parfait, elle ne sera pas parfaite. Mais il ne faut pas se dire « c'est rien » et les défauts qui nous accrochent, dire « est-ce qu'un jour, ça pourrait devenir vraiment insupportable mm-hmm. ?» Parce que s'il y a déjà des petits trucs qui accrochent là maintenant, dans 20 ans, là, ça va être des gros obstacles. Toute votre vie, il ne change pas d'un iota, est-ce que vous êtes prêt à supporter ça ? Non, et en général, ça ne va pas en s'arrangeant, mm-hmm. dans le sens où… Mm-hmm. Par exemple, je prends un exemple très pratique, si c'est un fou de sport… Moi, bon, je suis une femme, donc je vais parler pour les jeunes filles. Mm-hmm. Si votre potentiel est un fou de sport, mais que vous, le sport, ça ne vous dit pas, mais qui va passer des heures par semaine à courir les matchs de foot ou passer des heures à regarder le rugby à la télé et que ça vous tape sur le système, pensez pas que ça va changer. Mm-hmm. Les années passant, ça va devenir de plus en plus agaçant. Oui. Alors, il y a des défauts comme ça. Il faut être assez lucide. Et si on n'est pas assez lucide soi-même, comme disait Pasteur Joël tout à l'heure, s'entourer de gens avisés, de gens qui nous connaissent bien les deux, mmh. et pour bien nous conseiller, des gens sages, parce qu'eux ne seront pas dans l'émotionnel, ils seront dans vraiment l'objectivité. Mmh. Parce que quand on est amoureux, on n'est pas objectif. Tout à fait. Et on est aveuglé. Et il est chrétien, elle est chrétienne, je suis chrétienne, marions-nous, ça ne marche pas. Mmh. Pas du tout. Ça serait trop on te regarde toujours. Ça serait trop facile. Franchement, il ne suffit pas juste d'être chrétien pour se marier. Mm-hmm. Là, c'est vraiment clair. Là, Frank, il a parlé de l'accord. Et comme on a vu, l'accord prend beaucoup de choses, en fait. L'accord prend de la compatibilité aussi. Mm-hmm. Et ça, je trouve que c'est important. Et trop souvent, les jeunes ont tendance à oublier ces choses-là. Et aussi... Trop bon. Et aussi, quand on se met en couple avec des personnes... Ben, ils sont vraiment sur leur meilleur jour, là. Ouais, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, ils vont toujours présenter le bon côté des choses. Bien sûr. Et si, dans le bon côté des choses, il y a des choses qui ne sont pas bonnes, c'est mal parti. À nos yeux, ça va mal. Vraiment, ça veut dire qu'il y a matière à se poser des questions. Parce qu'il n'y a personne qui veut se faire... Il n'y a personne, quand il vient vers une autre personne, qui se présente comme vraiment quelqu'un de pas agréable. Mm-hmm. C'est toujours le bon côté qu'on montre. Et si ce bon côté c'est déjà mal parti à ce niveau-là, vaut mieux pas continuer. Oui, tout à fait. On va regarder, avant de passer à la rubrique « C'est mon histoire », on va regarder le sondage internaute qui est super intéressant. C'était « Comment avez-vous été convaincu que vous alliez épouser la bonne personne ?» 26%, ils ont fonctionné avec la paix. Frank, t'en a parlé un petit peu, hein, cette absence ou cette présence de paix. On sait que Dieu approuve une relation. Mm-hmm. Le Saint-Esprit me l'a dit, 16%. J'ai reçu une prophétie, 4%. Je l'ai su en le la voyant, 7%. Et on a quand même 47% qui sont célibataires. Aurélie, tu n'es pas seule. Tu n'es pas seule. C'est beaucoup quand même. Hein, ouais, absolument. Pour les internautes qui ont répondu. Uh-huh. 47% qui ne sont pas encore mariés. Et c'est vrai que la paix, c'est vraiment l'élément clé. Et pour conclure rapidement, je veux juste dire un petit mot par rapport aux prophéties. Je suis pour les prophéties, j'approuve totalement, mais une prophétie ne doit pas vous imposer un mariage. Elle peut venir confirmer quelque chose, et ça s'est vu. Et puis on va le voir dans le témoignage de Sylvie et David Terry tout à l'heure dans C'est mon histoire, qu'une prophétie est venue confirmer, mais quelque chose qu'ils savaient déjà, qu'ils avaient déjà sur leur cœur, c'est très important. Ce n'est pas parce qu'on vous a prophétisé que vous alliez épouser telle ou telle personne que vous devez l'épouser. Si vous ne trouvez pas la personne belle, si vous ne l'aimez pas, si vous n'êtes pas en accord, laissez tomber, c'est juste une prophétie erronée. Mmh. Ça peut arriver, on peut se tromper. Ouais. Et voilà, donc on va regarder tout de suite le super témoignage de David et Sylvie Terry, histoire de leur rencontre, qui est peu commune, mais qui devrait l'être plus souvent, vous allez voir. Je vous laisse regarder, on va aller dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et nous sommes de retour pour la rubrique « C'est mon histoire ». Et aujourd'hui, j'ai avec moi le pasteur David Terry et son épouse Sylvie. Bonjour à tous les deux. Bonjour Evelyne. Vous allez bien ? Oui, ça va bien. Super. Aujourd'hui, vous êtes venus nous partager les détails croustillants de votre rencontre. Croustillants ou pas, on verra. Mais vous allez nous raconter comment vous êtes connus, comment le Seigneur vous a parlé aussi pour confirmer que vous étiez bel et bien fait l'un pour l'autre. On va voir tout le cheminement qui s'est
s'est passé. Avant de commencer, je veux quand même dire que ça fait 14 ans que vous êtes mariés. Vous avez fêté votre 14e anniversaire de mariage hier. Oui, félicitations. Merci. Vraiment, c'est merveilleux. Oui. Vous avez 3 jolies petites filles et une 4e. Oui, qui arrive bientôt, dans 2-3 semaines. Dans 2-3 semaines, autant dire que c'est presque là. Oui. Donc voilà, la famille s'agrandit. Mmh. Vous êtes un couple qu'on aime beaucoup. Vous êtes déjà venu quand même plusieurs fois sur Enseigne-moi. Et puis, on est ravis de vous avoir là pour pouvoir nous raconter. Enfin, on va savoir comment se toute l'histoire. Donc, pour commencer, vous me disiez, vous êtes nés de nouveau tous les deux à l'âge de 18 ans. Vous avez rencontré le Seigneur. Oui. Donc, vous étiez tous les deux déjà très engagés avec le Seigneur lorsque vous vous êtes rencontrés. Vous étiez en France, dans une assez grande église de 200-300 personnes. C'est ça, oui. Dans le nord de la France. Dans le nord de la France, à Lille. À Lille. On est des ch'tis, en fait. Oh, je ne savais pas. Ouais, on est des ch'tis. Ouais. Okay. Si vous avez vu le film, bienvenue chez les ch'tis. Oui, oui. Bon, nous, on est des ch'tis. Moi, je l'ai vu, en tout cas. Vous avez perdu l'accent. On vous comprend. Et donc, toi, Sylvie, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as vu David et comment ça s'est passé pour toi? Alors, c'est ça, comme tu le disais, j'étais dans l'église, j'étais engagée avec le Seigneur, baptisée dans le Saint-Esprit, je voulais vivre à fond pour le Seigneur. Et mon désir, c'était de faire la volonté de Dieu dans le domaine du mariage. Il faut savoir que je me suis convertie à 18 ans, j'avais eu aucun flirt avant. Le Seigneur m'avait gardée et en étant devenue chrétienne, c'était d'autant plus un désir de mon cœur de faire la volonté de Dieu. Mm-hmm. J'avais conscience d'un appel de Dieu sur ma vie. Je voulais servir le Seigneur et j'avais compris qu'en fait, après le salut, la deuxième décision la plus importante dans notre vie, c'est la question du mariage. C'est vrai. Parce que le mariage, ça nous engage normalement jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mm-hmm. Donc, je ne voulais vraiment pas me tromper. C'était vraiment important pour moi. Et ça m'arrivait de prier pour ce sujet. Je disais, Seigneur, je veux vraiment faire ta volonté et je veux vraiment un mari qui soit pleinement engagé avec toi, qui te serve, qui soit vraiment à 100% en feu pour toi. Oui. C'est le désir de mon cœur. Et puis, au départ, je disais, Seigneur, je veux être une femme de pasteur parce que dans mon schéma, c'était pour servir Dieu, il faut être femme de pasteur. Donc, j'avais dit ça au Seigneur et puis le Seigneur, il connaissait mon cœur. Puis voilà, et puis je priais, c'était pas, je priais pas tous les jours pour ça, c'était de temps en temps, et puis je faisais confiance au Seigneur. Mm-hmm. Puis j'étais donc impliquée dans mon groupe de jeunesse, et puis un beau jour, je me suis rendu compte que j'ai commencé à avoir des sentiments pour ce jeune homme qui était dans mon groupe de jeunesse. D'accord. Et en fait, ce qui m'a interpellée vraiment au départ, je pense, c'est son zèle pour Dieu, son cœur pour Dieu, il priait, c'est ça, son zèle pour Dieu. Mm-hmm. Puis bon, je pense qu'il y avait aussi, il me plaisait. En général, ça va avec. Je le trouve mignon. Et vous n'étiez jamais vraiment parlé, vous connaissiez non, à peine. Non, on se disait bonjour. Enfin, ouais. On n'était pas proches. Non. Moi, j'étais avec mes copines. Elle fréquentait plus ma sœur que moi. Ok. Et puis moi, avec mes copines dans l'église. Non, toi, tu n'avais pas fait attention, elle t'avait repéré. Oui. Et puis, donc, j'ai constaté que les sentiments grandissaient dans mon cœur. Puis à un moment, ça commençait à me déranger. Je dis, Seigneur, ça prend vraiment de la place dans mon cœur, là, vraiment. Moi, je ne veux pas avoir des sentiments dans mon cœur qui te déshonorent ou que tu désapprouves. Mm-hmm. Si tu as quelqu'un en réserve pour moi qui n'est pas David, je veux que ce soit clair maintenant. Je veux que tu me parles, c'est soit lui, soit c'est pas lui et t'as une autre personne pour moi, tu as le meilleur pour moi, donc il faut que tu me parles. Tu voulais vraiment faire sa volonté. Ouais, c'est important aussi de soumettre nos sentiments à Dieu, oui, tout à fait. Parce que nos sentiments peuvent nous tromper. Oui. Ils peuvent confirmer des choses, mais ils peuvent nous tromper aussi. Exactement. Donc en fait, j'avais l'habitude de rentrer, parce que je faisais des études d'histoire à l'université, puis quand je rentrais l'après-midi à la maison... j'allais me retirer dans ma chambre et puis avant de travailler, je prenais un temps de prière. Je lisais ma Bible et puis je priais. Et puis je dis, bon Seigneur, il va falloir que tu me parles aujourd'hui. Soit c'est lui, soit c'est pas lui, il faut que ce soit clair. Et puis si c'est pas lui, tu vas retirer les sentiments de mon cœur. Mm-hmm. Puis moi, je vais pas chercher à les entretenir. C'est que tu auras quelqu'un de meilleur pour moi, de vraiment la personne. Ça, c'est un bon point. C'est vraiment ça, c'est une prière que vous pouvez faire. Hein. Oui. Si vous nous regardez, vous dites, ben là, j'ai des sentiments. Avant de commencer à avoir des contacts physiques, même se tenir la main ou se prendre dans les bras, que les hormones embarquent, parce que les sentiments, les hormones, c'est encore plus puissant. Oh, oui. Et Dieu a créé ces choses pour que ce soit comme un ciment dans le couple. Hein. Donc, si on commence à mettre du ciment, mais qu'on n'est pas sûr qu'on doit être ensemble, on fait les choses à l'envers. Donc, c'est bon de... C'est plus facile d'entendre Dieu
avant d'avoir eu des contacts qu'après. Ah. Parce qu'après ça, c'est plus compliqué. Et puis ça fait plus mal quand on doit se séparer. Donc en fait, j'ai prié cette prière. Et le puis, c'est ça, j'ai ouvert ma Bible dans ma lecture suivie. Et puis, j'ai lu ma Bible. Et le Seigneur a commencé à me parler dans ma lecture suivie de choses en rapport avec le mariage. Mmh. Puis ça, ça s'est passé plusieurs jours de suite, plusieurs semaines de suite, où à chaque fois, je disais, Seigneur, je vais être bien sûr que tu m'as parlé. Mais je constatais que le Seigneur me disait ça. Oui. Tu voulais vraiment être certaine que Dieu t'avait parlé. Tu voulais parler pas t'engager. De versets sur le mariage. Mmh. Je sais pas, il y avait l'histoire de Isaac et Rebecca. Il y avait les fiançailles. À chaque fois, ça allait dans ce même sens. Mais c'était une lecture suivie. Oui, oui. Tu n'as pas regardé dans la concordance non, mariage, je vais lire des promesses sur le mariage. Ça, c'est important aussi. Oui, oui. Et moi, je constatais que vraiment, Dieu me disait, oui, c'est vraiment lui. Donc, je disais, waouh. J'ai gardé ça dans mon cœur. Oui. J'en ai parlé à personne. Vraiment à personne. C'est courageux quand même. Et puis, j'ai fait confiance au Seigneur. Et puis, quand j'avais des doutes, je disais, Seigneur, pardon si je suis incrédule, si je manque de foi, mais j'ai besoin que tu me confirmes que c'est lui. Oui. Et puis, le Seigneur faisait grâce. Il me disait, c'est bien lui. Et puis, j'ai laissé ça. J'ai dit, Seigneur, écoute, moi, je ne vais pas... j'avais eu ce verset aussi qui disait « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire » dans le psaume 37, 37:4. Verset que Dieu t'a donné aussi par rapport au mariage aussi. Oui, tout à fait. C'est marrant, alors que vous n'étiez même pas encore parlé. Oui. Moi, à partir de là, j'ai dit « Bon Seigneur, tu vas me l'amener sur un plateau, moi je ne vais rien faire, c'est ta volonté, tu vas t'arranger avec ça. Moi je vais continuer à te servir, à te chercher, à passer du temps avec toi. » Et puis, ta volonté va s'accomplir. Amen. Et toi, David, de ton côté, tu n'avais pas vraiment repéré Sylvie? Non, pas vraiment. Quoi? Mais toi, tu avais une liste de critères. Comment est-ce possible? Une liste de critères. Alors, attention, écoutez bien les critères. Bon, moi, je suis 1m89. et que je voulais qu'elle fasse au moins 1m75. Je voulais qu'elle ait bac plus 3. Donc, après ça, elle était en maîtrise d'histoire. Donc, elle a bac plus 4. Je surpassais le critère. Et puis, mais le critère numéro 1... Oui. Je voulais vraiment qu'elle soit à fond pour Dieu. Je ne pouvais pas concevoir d'avoir une femme qui... parce que moi, j'ai senti un appel pour le service particulier, vraiment. Et puis, je ne pouvais pas concevoir d'avoir une femme que j'allais, qui allait juste m'accompagner. Il fallait qu'on court tous les deux. C'est ça. Vous vouliez vraiment... toi, tu voulais vraiment servir le Seigneur avec ta femme et toi, tu voulais vraiment servir le Seigneur avec ton mari. Oui, c'est ça. C'était un bon point quand même pour vous unir. Oui, oui, oui. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, on a une réunion de jeunesse avec des témoignages. Les jeunes racontaient des témoignages. Et Sylvie a pris le micro et elle a partagé son témoignage. Et moi, jusqu'à présent, c'est comme si elle était comme dans la foule. Et là, d'un seul coup, c'est comme si Dieu mettait un spot lumineux sur elle. C'était comme... la passion. C'était comme... Et je me souviens, j'avais mes amis. Je leur ai dit, je pense que j'ai trouvé. C'était comme... waouh. Vraiment. Donc, suite à ça, je me suis dit, OK, comment on fait et puis, je savais pas comment. Alors, j'ai essayé des techniques d'approche bien maladroites à la fin des réunions, aller dire bonjour, tout ça. Mais elle me démontrait pas de sentiments vraiment. J'avais l'impression qu'elle était froide, tu sais. Fait que c'était juste bonjour. Toi, tu voulais rien encourager. Je voulais vraiment que Dieu... Déjà, j'étais un peu embarrassée, peut-être timide. Timide, oui. Puis non, je voulais... Ouais. Mais tu voulais rien forcer, rien provoquer, c'est ça. Ouais, je voulais... Ouais, c'est ça. T'étais dans la foi. J'étais dans la foi. Dieu t'avait parlé, mais tu voulais aussi que Dieu lui parle à lui. Je voulais que ce soit lui qui fasse les démarches. Oui, et puis, j'avais l'impression en plus de me trahir à chaque fois. Ouais, pour lui, il dit que j'étais froide, mais moi, j'avais l'impression d'être tout... C'est drôle comment on peut vivre. Oui, la version différente. Oui. Et puis... Et toi, il y avait un point important, tu voulais être baptisé du Saint-Esprit avant. Alors en fait, c'est ça, il y a eu un... Et donc en l'espace de 6 mois à peu près, il y a eu un faisceau d'événements qui se sont produits. Donc il y a eu ce premier moment où je l'ai comme remarqué, comme Dieu m'a interpellé. Oui. Ensuite de ça, au mois de janvier, dans une réunion pour passer la nouvelle année, j'étais à côté de Sylvie, et puis il y a un frère de l'église qui était un prédicateur qui nous a regardés, et il m'a dit « Elle te suivra partout où tu iras, devant Sylvie ». Et là, on n'était pas à deux. Mais devant tout le monde. Non, pas devant. Oui, il y avait des gens autour, les gens étaient mangés du gâteau. Ils ont pas entendu, mais on n'était pas à deux. Ça n'a rien à voir. Et là, je me suis dit... Moi, je savais que c'était lui, mais... Et en fait, c'était une parole de Dieu. Oui. Parce qu'un an après notre mariage, on a quitté le pays, on est parti au Québec. Puis maintenant, après 12 ans au Québec, on part à l'île de la Réunion. Fait qu'on a voyagé. Elle te suit vraiment partout. C'est vrai. Oui. Sauf qu'à l'époque...
C'était comme vous vraiment, n'étiez pas du tout ensemble, du tout, mais c'est une parole qui est venue confirmer quand c'est même ça. Ce que vous aviez tous les deux sur le cœur. Ouais. Puis moi, je m'étais dit, j'avais en lisant Corinthiens, ça dit que celui qui est célibataire s'occupe des choses du Seigneur, celui qui est marié s'occupe des choses de sa femme ou de son mari, suivant le cas. Et donc, je m'étais dit, mais moi, je ne suis pas encore baptisé dans le Saint-Esprit. Si je commence à fréquenter une fille et que je ne suis pas baptisé dans le Saint-Esprit, peut-être ça va m'empêcher d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Parce que je serai focalisé sur ma femme. Ça, c'est une fausse conception, d'accord, mais c'est ça que je croyais. Tu peux être baptisé dans le Saint-Esprit. Mais Dieu t'a fait grâce malgré cette fausse conception. Alors, on va dans un rassemblement de jeunesse, un week-end à Pâques ou Pentecôte, je ne sais plus, à Pâques. Puis là, j'essaie de lui parler, tout ça, et puis je m'en sortais cette pas. Cette technique d'approche. Et puis le soir, je m'endors, je dis, Seigneur, t'as beau elle a beau être super, elle a beau que tu me la montres, ça peut pas fonctionner, je suis pas encore baptisé dans le Saint-Esprit. Le lendemain, ça bloquait pour toi. Pour moi, dans ma tête, ça marchait pas. Ouais. Le lendemain, à la fin d'une réunion, le pasteur prêche sur un sujet, et à la fin de la réunion, il dit, bon voilà, oh mais on n'a pas prié pour le baptême du Saint-Esprit. Fait qu'il dit, ceux qui veulent être baptisés, levez-vous maintenant. Pas de musique, pas d'appel, pas de témoignage, rien. À froid, à sec. À sec total. Fait que moi, je dis, ok, je me lève, il m'impose les mains, je me mets à parler en langue. Waouh. Je dis, waouh, c'est toute une confirmation. C'est clair. Puis, ensuite de ça, on s'est retrouvés dans un week-end avec notre chorale de jeunesse. On a fait 5 heures d'autobus. T'as continué à faire des techniques d'approche qui fonctionnaient. Ouais, des trucs qui marchaient pas. J'organisais des trucs. Mais là, dans l'autobus, t'as décidé de prendre le taureau par les cornes. Ben, je me dis, à un moment, il faut bien que ça marche. Là, et qu'est-ce que t'as fait dans l'autobus? Elle va être là pendant 5 heures, mais elle était assise à côté d'une autre fille. Fait que là, je m'étais assis pas loin, là, je guettais. Puis, à un moment, la fille avec qui était assise à côté d'elle se lève pour aller parler à quelqu'un. Fait que moi, je me lève et je vais m'asseoir à côté d'elle. T'as sauté sur l'occasion. C'était le pas de foi. C'est le rendez-vous. Et donc, et là, on a parlé, mais en fait, c'était spécial parce que... Dans l'autobus, avec tout le groupe de jeunesse. Ouais. Mais pendant 5 heures, quand pendant même. Pendant 5 heures. Ouais, le temps de la C'était route, Lille donc, à Metz. Un bon premier rendez-vous, oui, si on veut bien. Oui, oui. Mais sauf que, à cause du contexte et à cause du fait qu'on était dans l'autobus, tout ça, on a parlé de sujets profonds, quoi. OK. Des valeurs qu'on avait dans la vie... Ce qui était bien, ce qui était une bonne chose. L'éducation des enfants, comment voyait les valeurs dans la vie, qu'est-ce qui est important, le travail, l'argent, le service de Dieu, tout ça, c'était vraiment très profond. Et on a senti, en tout cas moi j'ai senti, vraiment qu'il y avait une unité de but et d'objectif. Ouais. Il y a quelqu'un qui a dit que s'aimer, c'est pas se regarder dans le blanc des yeux, mais c'est regarder ensemble dans la même direction. Mmh. Et c'est vraiment important, parce que des fois, les gens se marient, ils aiment ça, se tenir ensemble ou se faire des câlins, mais ils vont chacun dans une direction différente. Tout à fait. Et ça ne marche pas, ça crée des tensions. Oui. Et c'est plus facile de rester collé quand on marche sur le même chemin. Exactement. Et donc, après cette première approche... Oui, durant tout le week-end, en fait, on s'est parlé. C'est ça. Et puis, moi, quelques temps avant ça, j'étais toujours dans mon épreuve de foi, parce que le Seigneur m'avait parlé. Oui. Et puis, mais j'attendais. Hein, je ne voulais rien faire de ma propre initiative. Et puis des fois aussi, moi, je me souviens, je voyais des filles plus ou moins qui s'approchaient de lui. Mmh. Je me disais, oula, qu'est-ce qui se passe? Et je m'interrogeais, je me disais, mais Seigneur, bon, il me semble que tu m'as parlé, c'était clair, mais quand est-ce que ça va arriver? C'est ça. Et un jour, le Seigneur m'a donné un verset dans Ésaïe qui dit, moi, l'Éternel, je hâterai ces choses. Et il y a eu effectivement une accélération. À la suite de ce week-end à Metz, dans l'autobus, je pense qu'il y a vraiment cette Le contact était créé, toi tu me disais, David, t'avais pas encore de sentiments, ça te manquait. Moi, il me fallait c'est quand même un mariage. Oui. C'est pas juste je vais acheter un truc, tu vois. C'est la plus importante de ta vie, tu vois. Donc oui, j'ai une conviction, un chemin tracé dans mon cœur, des choses que j'avais déjà expérimentées que c'est ça. Oui, elle correspond à des critères. Oui, je la trouve super. Oui, j'ai une parole de quelqu'un. J'ai été baptisé en Saint-Esprit en m'endormant la veille en soir en posant la question au Seigneur. Oui. Mais ce n'est pas juste une activité. C'est comme, je vais me marier. Il me semble qu'il faut que je sois amoureux. Bien sûr. Il faut que ça aille au-delà de l'appréciation. Il faut que ça aille au-delà de même de l'attirance. Bien sûr. De la convergence d'objectifs. Oui. Et là, je me suis endormi avec le Seigneur. Je dis, ben là, Seigneur... Moi, il me semble que je suis pas amoureux, là. Il me faut plus que ça. Je sens que tu me pousses, mais il me faut plus. Et là, à 3-4 heures du matin, je me suis réveillé et j'avais l'impression que Dieu m'écrasait par sa main, la main du Seigneur s'apesantissait sur moi. Il y a un verset qui dit ça. Et j'avais le cœur qui battait fort, j'avais les intestins noués. Je pensais à Sylvie, puis c'était pas un truc érotique, c'était juste, je pensais à elle, quoi. C'était comme,
et l'impression que j'avais, j'ai pas entendu une voix, mais l'impression que j'avais, c'est comme si Dieu me faisait sentir, est-ce que ça te suffit ou est-ce qu'il t'en faut plus? Non, c'est mon Seigneur, stop. C'est parce qu'après ça, il fallait, vu que c'était pas elle qui faisait la démarche, c'était à moi de faire la démarche. Ça devait venir de toi. Donc le lendemain, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, je pense pas mal à toi, et je me souviens, j'étais au téléphone, j'avais des spasmes, je tremblais comme ça. Mais c'était vraiment intense. C'est sûr que moi, dans ma conception, c'était l'homme qui faisait les démarches. Donc c'était important pour moi. J'ai commencé à lui parler un petit peu, elle me dit, bah là, pas au téléphone. Demain, parce que je le voyais venir, il commençait, oh, je pense à toi et tout. J'ai dit, ok, qu'est-ce qu'il va. Enfin, j'avais une idée. Tu voulais ta déclaration en live, toi. Oui, absolument pas. Ne laissez pas quelqu'un vous faire une déclaration de mariage sur un SMS, sur Messenger ou des trucs comme ça. Ah, oui. Vous valez mieux que ça. Oui. Vous valez mieux que ça. Ça arrive une fois dans notre vie. Une demande en mariage. Une déclaration, tout ça. Donc, Et donc, vous prenez rendez-vous, tu vas la chercher à la fin de l'université. J'achète des grandes roses, ils n'avaient pas coupé les queues, fait que les roses étaient comme hautes comme ça dans le métro. 45 minutes de métro, une demi-heure de bus, tout ça. J'arrive, j'attends une heure parce qu'à cause des horaires de bus, j'étais en avance. Mmh. Puis là, finalement, je la vois arriver. Puis là, j'ai mon cœur qui bat. Puis là, je dis, bon, écoute... Moi, je vois le beau bouquet de roses. Voilà, là, je bégaye un peu, c'est pour toi. Et puis, on commence la conversation. Je dis, je pense pas mal à toi, j'ai vraiment des sentiments, je t'aime. Et puis, en l'espace d'une demi-heure, je l'ai demandé en mariage. Je dis, est-ce que tu voudrais m'épouser? Et puis là, elle a répondu quelque chose comme, je veux être la mère de tes enfants. Oh, puis moi, c'était clair. Je veux dire, c'est, je voulais pas un flirt. Tu m'approches pas pour un flirt. Oui. Moi, je sais que Dieu m'a parlé que tu allais être mon futur mari. Mm-hmm. Et j'attendais, c'était au moins ça. Là, on part pour le mariage. Quoi. Donc, pour toi, ce n'était pas intimidant qu'il te demande en mariage aussi rapidement. C'était... Au contraire, oui, c'était rassurant. C'était rassurant. C'est pas, oh, peut-être c'est on va... C'est sérieux, quoi. Pour vous, c'est comme la relation commençait comme ça. Très sérieux. Parce qu'on a le même objectif, on veut se marier. Et mais on ne savait pas. On ne savait pas ce que l'autre pensait. Non, c'est ça. C'est ça. Mais il y avait cette idée rassurant. Que je ne veux pas embrasser 10 filles dans l'église le jour de mon mariage, passer avec ma femme. Puis elle, je l'ai embrassée, je suis sortie avec. Parce que moi, le Seigneur, Seigneur m'avait parlé, ça allait être lui, mon mari. Mm-hmm. Donc il fallait que, il partage aussi cette même vision-là, qu'on va jusqu'au mariage, qu'on serait comme pas juste de moi. On n'est pas là pour perdre notre temps, on investit dans quelque chose de durable pour passer notre vie ensemble. C'est Et là, vous êtes restés fiancés pendant 3 ans. Donc ça, c'est important. Oui. Vous vous fiancez très vite, mais vous vous fiancez pendant longtemps parce que vous étiez en études, etc. On était étudiants, on n'avait pas de travail. Et c'est là qu'on a appris à se connaître. Voilà. C'est là qu'on a réglé plein de choses. Oui. Ça nous est arrivé de nous disputer au téléphone. Parce que des fois, les gens ont cette idée que si Dieu te conduit, tu ne vas jamais te disputer. Mais ce n'est pas vrai. Il y avait des ajustements de caractère, de point de vue. Ouais. On a appris à se connaître. Ben parce que... forcément. Je pense que si... souvent, je donne cette image-là aux jeunes couples. C'est que c'est comme bâtir une maison. Mm-hmm. Dieu peut te dire dans quel terrain il faut que tu construises. Fait que le bon emplacement. Et tu sais que tu es à la bonne place. Oui. Mais ensuite de ça, on construit à deux. Fait que si tu ne construis pas... ou que tu mets le feu à la maison, il n'y a rien. Et des fois, les gens remettent en question, mais est-ce que c'était de la volonté de Dieu? Mais non, mais il faut que tu construises. Exact. Le terrain, le choix du terrain, l'emplacement, et puis la construction, c'est deux choses différentes. Oui. Dieu nous aide, mais il faut collaborer avec lui, il faut travailler. D'où l'importance d'être convaincu que Dieu nous a parlé au départ. Parce que quand les disputes commencent à arriver, petites prises de tête qui sont normales, on est d'accord, et même des grosses, c'est normal. J'ai jamais remis en question le fait que ça allait être lui, parce que Dieu m'avait parlé. C'était clair. C'est sûr qu'on est passé par des moments où, oui. Au niveau du caractère, des choses qu'il fallait régler. Parce que sinon, on se dit toujours, on ne va pas vouloir investir jusqu'au bout. Exactement. Tandis que là, on est dans une conception où on se dit, de toute façon, là, on reste ensemble, donc il faut que ça marche. Exactement. Donc il faut que je change-moi, transforme-moi, on lit, on change mon cœur. Jusqu'au jour de votre mariage. Oui. Une belle journée, des beaux souvenirs. Oui. C'était vraiment belle journée ensoleillée, le 5 juillet 2003. Moi, je me souviens quand j'ai remonté l'allée, on avait mis la musique, c'était le chant qui dit « Seigneur, je suis désespéré sans toi, c'est l'air que je respire, tout ça. » Et je me souviens la présence de Dieu qui est venue sur moi. C'est comme si, quand je suis rentré dans la salle, c'est comme si Dieu prenait mon visage et tirait. J'arrivais pas à ne pas sourire. C'était fou, là. J'avais même les muscles contractés, là. Il y avait une joie. Wow. J'avais un sentiment d'approbation de Dieu, de présence de Dieu qui était si fort, si intense. C'est merveilleux. Et ça fait 14 ans maintenant. C'est merveilleux. Et quel conseil, rapidement, vous aimeriez donner à des jeunes qui nous écoutent, qui sont peut-être fiancés ou en voie de se fiancer, le conseil pratique avant de clôturer cette petite rubrique? Moi, je pense qu'il faut vraiment ralentir tout ce qui est les contacts physiques pour prendre le temps d'écouter. Et il faut écouter d'abord et prendre nos décisions avec le Seigneur. Mais en même temps, ça, c'est ce que nous, on a vécu. Ça peut sembler un peu extrême,
Mais si vous êtes dans une situation où vous apprenez à vous connaître, et puis tranquillement, et puis qu'il vous faut 2 ans avant de faire une demande en mariage, c'est correct aussi, c'est pas un péché, d'accord ? Fait que chacun vit son expérience, mais prenez votre temps. Oui. Puis c'est bon aussi d'avoir des conseillers, des fois. Nous, nous ça s'est fait comme ça. Mais je crois qu'on peut vraiment faire confiance au Seigneur. Amen, amen. Ouais. Bah, merci vraiment à tous les deux de nous avoir partagé votre histoire. J'ai trouvé ça super. Et puis, bah, vous l'aurez compris, Dieu parle. Dieu a toujours quelque chose à vous confirmer. Ne vous lancez pas dans un mariage sans être convaincu que Dieu vous a parlé, que c'est la bonne personne, que vous allez avoir un bon mariage. Les difficultés, il y en aura. Des disputes, il y en aura. C'est à peu près une certitude. Mais soyez convaincu que Dieu vous a parlé. Prenez le temps, quitte à laisser une année de plus de fiançailles pour au moins être sûr que Dieu vous a parlé. Parce qu'après, c'est pour la vie que vous êtes unis. Et c'est ce que le Seigneur veut. Il veut unir vos deux chairs pour que vous n'en fassiez qu'une seule. Donc voilà, merci à tous les deux. Vraiment, c'était un plaisir d'avoir votre histoire. Et puis bon, on espère vous retrouver très bientôt avec votre 4e bébé. Oui. Soyez bénis, merci. 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 Formidable témoignage de nos chers amis David et Sylvie. C'était vraiment super. Et toi, juste pour terminer, Pasteur Joël, comment t'as su par rapport à Mathilde? Qu'est-ce qui t'a confirmé? Ben moi, il y a un verset dans la parole de Dieu qui nous dit que Christ a aimé son Église et que le mari, avant de prendre son épouse, ben, le mari doit aimer son épouse comme Christ a aimé l'Église. Donc, je me suis posé la question, est-ce que j'aime Mathilde à un point où je serais prêt à mourir pour elle? Et quand j'ai eu ma réponse, oui, je l'aime autant, et là, je savais, j'avais la conviction du Saint-Esprit. C'est vrai que c'est un bon point, ça. Mmh. Messieurs, vous avez entendu un bon conseil. Êtes-vous prêts à mourir pour votre fiancée? Bonne question. Il faut se poser la question, hein. C'est vrai. Là, on va voir. Ça sonde les cœurs. Et on va terminer avec notre verset du jour, parce que je voulais le garder pour la fin. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Et c'est une promesse que Dieu nous a faite, une seule chair. Donc, quand on devient une seule chair, c'est du sérieux. Ça ne se divise pas si facilement que ça. Donc, il ne faut pas prendre le mariage à la légère. C'est un investissement vraiment sérieux. Prenez le temps de vous décider. Faites durer les fiançailles quelques mois de plus ou un an de plus, même si vous avez des doutes. Laissez le temps éprouver aussi les cœurs de l'un et de l'autre pour prendre la bonne décision. Sérieusement, quelques mois dans une vie, c'est rien comparé à une vie entière passée avec la bonne ou la mauvaise personne. C'est un enjeu vraiment important. Donc, ne négligez pas ça. Priez, demandez au Seigneur de révéler les cœurs, c'est vraiment important. Et je suis certaine que le Seigneur va vous conduire dans tout ça. Et puis, bah, j'ai envie de vous souhaiter un heureux mariage si vous avez écouté tous nos conseils. Donc, on se retrouve la semaine prochaine avec comme thème « Seigneur, sers-toi de moi pour ta gloire ». Et nous répondrons au sondage « Avez-vous déjà reçu une parole de connaissance pour quelqu'un ?» Voilà, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end et à lundi. Et bonjour chez vous. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.